Hello YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est sur le compte de Pantheon sur Summoner's War. On va aller partir pour sa Summon Session. Je suis en train de regarder s'il m'avait dit un petit peu les monstres qu'il voulait. Non, il m'a rien dit, bah, il nous répondra du coup sur le chat Twitch parce qu'on est bien entendu en live. On va voir un petit peu ce qu'il nous a mis Coty pour sa Summon Session. On va retourner sur le 9877, le 9877 a été très généreux juste avant. Donc j'espère qu'il continuera à l'être ce soir. On va regarder si là il n'y a pas des choses à choper dans le shop. Allez, let's go. Nope. Shop de guild. Peut-être pas. Ah, potentiel d'avoir une rune à 24 de speed. Hein. Potentiel d'avoir une rune à 24 de speed, hein, quand même. Quand même, quand même. On a Vélin, Asia-Pacifique. On vous rappelle. Vanessa, Seara, Bastet, Diana, Lucien, Sabrina... Let's go, ça c'est cool. On a deux vélins d'Arcane Light. Derrière, on a deux vélins vent. Et 76 vélins mystiques. Un petit bonjour à la guild, mais bien sûr la guild. Hello la guild. C'est vrai que j'aime bien le faire, ce petit message. On essaye d'y penser, toujours. C'est le petit truc. C'est la base, le respect, le bonjour. À la guild. On va voir un petit peu si c'est un joueur pour l'instant qui a de la luck. Il y a l'air d'avoir déjà des belles choses. On a Ariel, on a Taor, on a Molong, double Lucien, Arsveg, Odin. Ouh, Liebli. Liebli Arma Amarna. C'est cool, c'est cool. Si tu chopes Sabrina, tu peux faire les pierres. Ah, on a les pierres aussi. Mais sinon, il l'attend pour Sabrina. On va voir s'il y a des choses dans storage. Oui, il y a des choses dans storage. Amelia. Chazune, des jumelles, une Talia, Tetra, Shaina Maruna. Là, il va falloir peut-être que tu te mettes sur tes jumelles, hein, je pense, mec. Hein. Si tu te mets sur tes jumelles, t'as un truc à faire. Hein. T'as un truc à faire. Même si t'as pas Sabrina, moi, dans un premier temps, je faisais Shaina Maruna. Alors, c'était l'ancienne Shaina, bien entendu, avec le lead speed et la réduct ATB. Mais je faisais Shaina Maruna et ça me fonctionnait. Très très bien en DB10, et au pire des cas, t'as une Deva que tu peux rajouter et tout. C'est mon prochain objectif. Ah bah parfait, parfait, parfait. Et bah let's go pour la Summon Session. Tu nous as pas vraiment... Comment va bébé Wendy? Bah je sais, elle va bien, mais elle est pas avec moi en ce moment, elle est dans le nord de la France avec sa maman. Donc tout va bien, et puis moi je fais à peu près mes nuits, même si je dors pas très bien, mais je fais à peu près mes nuits. Donc let's go, 76 vélins mystiques, j'espère au 5 stats, bien entendu Panthéon, mais on est un petit peu loin des stats. On est à un tiers des statistiques. Je suis pas du Nord. Elle a sa famille qui est un peu dans le Nord. Moi, je suis de Nantes. Mais j'ai vécu à Lille. Allez, ça commence direct. Direct. Et pas du tout un 5 nat. Hein. Pas du tout un 5 nat. J'ai cru pendant un moment. En fait, j'ai vu un truc dans les mains. J'ai pas eu le temps de battre les étoiles. Je me suis dit, c'est Triton? Non, c'est pas Triton. C'est pas Triton. Donc du coup, n'hésite pas, Panthéon, à nous dire quels sont les monstres que tu aimerais. Ouais, je suis de Nantes. Je suis Nantais. Je vis à Nantes maintenant. Et voilà. Si t'entends quelqu'un gueuler, spète-moi dans ton immeuble. Moi, j'ai vécu à Lille, j'y ai vécu un peu plus de 3 ans. 3 ans... 3 ans... Enfin, j'ai vécu une fois un an. Et une fois après, je suis revenu plus tard, j'ai revécu 3 ans. Du skill up pour la pisse. Toujours ça. En vrai, toujours ça, la pisse. Mégane! Allez, ça commence par du fake. Les fakes. Allez, Jean-Michel. Jean-Michel. Est-ce que tu peux faire la régalade? Le petit régalade de ce soir, il est là. Il est là. Et non, c'est le samouraï. Oh. Bon, on a quand même des étincelles. On s'estime content. Faut que ça continue dans ce sens-là. Et on espère avoir de belles choses. T'as fait tes études sur Nantes ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout parce que je suis parti dès mes 18-19 ans sur le Tour de France avec les compagnons, en commençant par Bordeaux. Donc après j'ai fait Bordeaux, Tours, Lille, Strasbourg, l'Allemagne, Re-Strasbourg, Mans, le Mans, Lille et tout. Du coup je suis à 2 5 nats en 10 VM aujourd'hui. Oui c'est propre, c'est des bonnes statistiques. Arrête-toi là parce que dès que tu vas continuer à invoquer, les statistiques vont forcément être revues à la baisse. Mais c'est cool quand même. Allez let's go, on voudrait bien avoir des petites étincelles. Allez Jean-Mi, tu nous as fait 2 étincelles en 20 VM là. Let's go, allez, 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 allez. Un fake aussi. Allez, allez, on veut l'étincelle qui va changer le compte.
Du coup, Panthéon, il nous a toujours pas dit ce qu'il voulait. Hein. En fait, il veut rien. Donc, c'est pour ça qu'il se passe rien. Il veut rien, donc il se passe rien. Il veut des choses, il se passe des choses. C'est comme ça dans la vie, les gars. C'est, on provoque sa destinée. Lui, voilà, voilà, il veut rien, il a Rémi. J'ai Rémi. Voilà, c'est tout, c'est tout. Il m'a dit Wendy, je veux un arcan, je veux un tel truc. Ben voilà, il a eu 3-5 nattes. 3-5 nattes. Mais là, que dalle. Ben, j'en sais rien, en fait. Ben voilà. Et ben voilà. Il n'en sait rien, les potos. Il avait besoin de food. Il a du food. Peut-être un 5 nattes, sous vous usez bailli. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est sonnet. Comment avoir beaucoup de VM? Alors, il y a une très belle vidéo qui date d'il y a presque 3 ans sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Une pluie de VM mystique, je crois, où j'explique un petit peu toutes les méthodes pour récupérer des VM mystiques. Elle est plus tout à fait à jour, mais il y a encore... en gros, il y a des nouvelles données qui sont ajoutées, mais il y a encore 90% des choses. 90% de tes VM mystiques que tu chopes sont écrits dans la vidéo. Farmer le géant. Le géant est peut-être entre autres une solution. Mais en fait, je liste un petit peu tous les endroits où tu peux récupérer des verres mystiques. Le Discord, tu fais point d'exclamation Discord, James. Ou sinon, tu l'as juste en dessous dans les carrés, dans les petites vignettes. Allez, let's go, l'étincelle. L'étincelle. Après Rémi. Voilà, elle est là, l'étincelle. L'étincelle, la Cannon Girl Feu. Qui j'aime pas trop depuis son rework. Tintintintintintintin. Bah, pour l'instant, on est dans les étincelles du compte, hein. On est dans les statistiques. Après, c'est un rip, mais tu nous demandes rien aussi. Je l'ai déjà en plus. Ah. Ah. Moi, j'y peux rien. Après, moi, je veux bien te donner des choses, mais faut me demander. Genre, le gars, c'est le père, il se prend pour le Père Noël, quoi. Oui, moi, Père Noël, je ferai en sorte que tous mes viewers aient le 5 nat qu'ils demandent. En vrai, je prends tout sauf doublon. Ok, bon. C'est un peu tard, fallait me dire ça avant. Là, je suis déjà parti avec mon traîneau. Là, je suis déjà en train de distribuer mes cadeaux. Allez, bah, par contre, les cadeaux, on aimerait bien en voir un petit peu plus là. Allez, les étincelles, let's go. Let's go, let's go. Il nous en manque encore deux sur les vénins mystiques à voir. C'est cool, un petit back-to-back. Allez, allez, pour Panthéo. Allez, 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 allez. Homme lézard. Pas cool. Harpy. Allez, là, je sens bien la prochaine étincelle. On la sent bien. Ça sera Lapis. 100%. Ou Astar. Allez, allez, allez. Non, mais il n'y a plus d'énergie, là, les gars. Les gars, balancez votre énergie, là. Et salut, Toobox. Balancez votre énergie, là. On en a besoin. On était bien dans les statistiques d'étincelles et là c'est bien redescendu. Est-ce que ça nous annonce l'étincelle d'Arcane Light? On essaie de se rassurer comme on peut, les gars. On essaie de se rassurer comme on peut. De Venom Mystico, le dernier, peut-être une étincelle. Non. Non. Là, il nous dit non. Le 9877, c'est non. 1, 2, 3, 4. 4 et 2 fake. 4 et 2 fake, hein. Pas énorme. C'est pas énorme. J'avais sub pour te donner la force. Mais la force, elle a été piquée juste avant par un petit caillou. Hein. Allez, let's go. Il nous reste des vélins vent. C'est une petite étincelle sur le vélin vent. Le 5 nat. Le 5 nat. Le 5 nat. J'ai vu des ailes. Je me suis dit, ah non. Si, mais c'est dit. Allez. 5 étincelles. 5 étincelles. Cette étincelle d'Arcane Light. Ça ferait plaise. Là, ce sera pas celle-ci. T'as une ligne? Je sais pas si t'as ligne. Non, même pas. Pas d'étincelle sur Dark Light. Après, c'est ballsy, hein. Dark Light, c'est une chance sur 14. Pas de canon, girl feu. Allez, les 5 nats. Il avait déjà ligne. Allez, les 5 nats. Et ce n'est pas un 5 nat. C'est la Gaia Boomerang. Du coup, Sabrina ou Chilling. Le deuxième coup de marque que je viens de choper, Bene, même si j'ai pas trop envie car je tiens mes 5 nat, je le garde juste en souvenir ou je le monte aussi. Ah, deuxième coup de marque, bof. Sabrina. Tu n'idais Sabrina ou pas du tout
Et du coup, les pierres, tu as raison. Si on avait Sabrina, tu m'as dit on fait les pierres. Ah bah du coup, tu nidais totalement Sabrina. J'ai une mémoire de poisson rouge. On va refaire un petit peu de place. Et bah peut-être un Vérade. Peut-être un Vérade. Histoire de t'aider tranquillement à grind le Tewa, Tewa Arn, le labyrinthe, les HOH et tout. C'est tout le mal que je te souhaite. Voir un Shiwu si tu veux un petit lead speed, parce que j'ai pas vu de lead speed genre Psamat Vanessa, ça t'a pas. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, pour Vérade. Ah voilà, il me dit pour Vérade. Ça semble logique. Au vu de l'avancement du compte, si un des 5 nats que j'allais viser, ce serait 5 nats. Après, on a chopé une Louise dernièrement sur le compte. C'est intéressant, c'est une immune aussi. C'est pas où ça. Mais c'est cool quand même. Si t'arrives à lui mettre de la speed, allez, let's go. Let's go le Verado. Oh non. Oh le boss. C'est qui le boss? Et j'ai plus de voix. Non. Ah. GG moi. Encore une fois, GG moi. C'est cool. Merde, j'ai pas écrit au bon endroit. Je suis un connard. GG moi. Mais cette soirée, trop bien, trop bien. Est-ce qu'on se tente? Non, en vrai, moi je suis là, je suis toi, je garde mes pierres. Je gagne mes pierres maintenant. Là je suis en mode, ok, j'ai mon petit Vérade, c'est cool. J'ai eu quelques petits catnats, j'ai eu ma Sabrina, c'est ce que j'allais chercher avec le V1 SWC. Donc on est juste bien. On est juste bien, on s'arrête là. Wendy Show, il vous choperait des 5 nats avec des V1 inconnus. Ah, faut pas pousser, faut pas pousser. Je garde pourquoi du coup tu me conseilles. Bah après d'autres rotations de 5 nats ou d'autres 4 nats que tu voudrais aller sniper que tu n'as pas encore à l'heure actuelle, moi c'est ce que je ferais. Là ça sert à rien. Shiwu faut être vraiment dans l'opti. J'ai besoin d'un lead speed parce que j'ai une team Lucien et que je veux avoir un lead speed plus puissant que ce que j'ai. Et Louise faut être dans l'opti plutôt GVG, Siege Battle, j'ai besoin d'une immune pour protéger mes briseurs et tout. Donc non, moi je m'arrêterai là dessus. En tout cas sache-le. Mais je suis très content, je suis très très content pour toi quoi. Nice, Team Vérade le dieu, bah oui, Team Vérade. Ouais, pas besoin de lead speed pour le moment, c'est pour ça. Pour moi, ça ce serait dommage de dépenser des pierres, ça permettra la prochaine fois que tu vas sniper un monstre, d'avoir un peu plus de pierres. Je pourrais être le streamer qui dit, ah mais vas-y, je dépense, moi je veux summon. Mais non, on va essayer de faire le truc très très cool. En tout cas, c'est chouette, je suis très content pour toi. J'avais un peu peur. On a vu Sabrina, j'étais, ok, c'est cool, Sabrina, c'est pas un 5 nat sur le pack SWC, mais c'est Sabrina quand même, il en avait envie, et Vérade qui tombe derrière. Donc là, je suis, ok, c'est bien, c'est bien. T'imagines, t'aurais pas payé ton pack SWC, on n'aurait pas eu Sabrina, donc je n'aurais pas fait les pierres, et t'aurais ni eu Sabrina, ni eu Vérade, et là, la summon, elle aurait été useless. Donc, comme quoi, ça valait le coup, ça valait le coup. En tout cas, amuse-toi bien, Panthéon. Moi je suis très content d'avoir invoqué ça et voilà, va rush le Tewa maintenant. J'avoue là c'est full worse. Yes, yes, yes. Et bah je te rends ton compte, Panthéon. On dit worse, ouais parce que worst c'est pas trop ça quoi. Mais c'est bien d'avoir essayé. Et c'est pour ça, worst, tu peux presque les opposer quoi. James, il m'a envoyé ses logs. James, tu me dis quand tu es dispo pour que je puisse me connaître. Worms aussi. Oui, très bien, Worms. Très bien, très bon jeu en coop avec des poteaux. Ah, oh, ça fait plaisir de faire des summons comme ça. Ça fait plaisir d'être un petit peu en mode régalade. Re-kiap. Mais Kiap, tu reviens juste quand il y a un 5 nat. C'est dingue. Mais c'est dingue. Ce Kiap. Ah, y a pas de soucis, comme ça tu sauras pour la prochaine fois. Exactement. On est là pour des choses. Tu peux. Bon, à mon avis, le 9877, pour l'instant, il est plutôt chaud. Il est plutôt chaud, le 9877. J'espère pour James aussi. Et puis, let's go. Ça se connecte les gars. Ça se connecte pour la summon. Je suis en train de reprendre ma voix là. Je sens que j'ai poussé un peu comme un connard.
James. Stylé. Wow, James. Ça pousse de la fonte, James. Hey. Hello YouTube. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Wendy. Quand ça perd ma voix, j'ai trop gueulé sur la Simone de petit caillou. Je suis une petite nature. Par contre, James, ça n'a pas l'air d'être une petite nature. Alors, regardez-moi cette pépée. Vous voyez pas trop, mais là, il y a des pectoraux. Hein. Les tatouages. Wow. Let's go, là. Honnêtement, il bouffe deux malites au petit-déj et un scogoule. Aucun problème. On va dire bonjour à la guilde. Hello. Hello, la guilde. Alors, je me décale parce que je vois pas du tout mon clavier à cause de mon micro. Vivement, une vraie setup de streamer, d'influenceur. On va laisser le 9877. Le 9877 nous a porté change sur les deux premières summon sessions de la soirée. J'espère. Ah là là, la honte. Mais non, mais on déconne. Honnêtement, on rigole, mais aucun jugement. C'est, puis c'est cool que voilà, les gens s'entretiennent. 3 vélins SWC. Pas de légendaire à côté. Pas de Dark Knight à côté. Des vélins inconnus, mais non. 72 vélins mystiques. Et il m'a dit, je voudrais avoir les 5 nattes du vélin du SWC. Mais en particulier, Sarah. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il a demandé. J'espère pouvoir te l'apporter. Je serais full jaloux, mec. Je serais full jaloux. J'en rêve depuis le premier jour de mon compte Europe. Le premier jour de mon compte Europe, je connaissais déjà un peu le jeu sur le global. Je suis en mode, allez, il me la faut. Obligé, il me la faut. Donc, let's go. C'est à... On t'attend surtout sur mon compte. Je suis en train de rush Théoa pour que Wendy me fasse ma summon. Ah, tu veux réellement que on summon juste après? Ça va être chaud là, les gars. Allez, let's go. 72 vélins mystiques. On va regarder un petit peu. Bah déjà, est-ce que c'est un chanceux sur son compte? Est-ce qu'il a déjà de très belles choses? Est-ce qu'il va nous envoyer des étincelles dans les yeux? Bien entendu. Tu veux des paillettes? Est-ce que tu veux des paillettes dans ta vie, James? Allez, il a déjà une Alicia, Chandra, Camille, Covenant, Molong. Il a les deux jumelles. Il a Laika, Daphnis. On a ici une belle petite Brandia. On a Rakan, Velagiuel, Polymune. On a Perna, Tahor, Téchar, Triton, Hathor. J'ai pas dit deux fois Hathor. Je sais pas, j'ai peut-être dit une connerie. Peut-être. Si, je sais pas. Eladriel, Xingze. Waouh, j'ai vu des trucs en dessous. Ça, c'est pas logique. Ritesh, Fengyan, Tiana. Ici, on a un joli Gany. Gany, Hathor, mec. Ça doit être cool. Ça doit être cool, quand même. Ah oui. Peter Azima. Après, on a un petit Wadam. Après, on a un petit Alphas. On a une Yona. Et je suis sûr qu'on a eu plein d'autres. Mets des paillettes dans ma vie, Kevin. Wendy, mets des paillettes dans ma vie. Allez, on va voir un petit peu ce qui nous a caché dans le store. Dans le storage, qu'est-ce qu'il y a eu ? On a une Bess, on a un, ici un God Who, on a encore une Camille, on a un Cho, on a un Tyrone. Un Purian, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des Purian. On dit c'était de jouer avec Lucens à une époque, ce qui est tout à fait possible. Ou avec les compositions avec Galion et un DPS. On a un Zeyros aussi, Malit, Katarina, on a un petit, j'ai perdu son prénom, Pungbek. Pungbek est assez intéressant en GVG, je trouve. Ça c'est cool Ikasha, t'as des choses à faire un petit peu avec Ikasha. Antares, Abigail. Ok, on est pas mal. Skogul, mais il en mange 3 au petit-déj, j'ai dit. Ah, il a la Lichlike, il a Peter, il a Azima, il est plutôt propre ce compte. Hein. Ah, il est plutôt propre. On a dit bonjour à la guilde. Bah non, on n'a pas dit bonjour à la guilde, si on a dit bonjour à la guilde. Non, j'ai pas dit bonjour à la guilde. On va dire bonjour à la guilde quand même. Hello. Je dois pas écouter Justin en GVO. Mais non, faut pas écouter Justin. C'est Justin en GVO qui pique tes tours. N'oublie pas Justin. Allez, let's go pour mettre des paillettes dans la vie du coup à James. Il a pas de place lui. Comment ça, il a pas de place Je reviens. Je vois Peter Azima Molaya demain. Ciao. A plus, Palta. Allez, let's go. On va avoir des étincelles. On a un tiers de chance sur les Valamistis d'avoir un 5 nat. Hein. Normalement, c'est 1 pour 200, on est à 70. Par contre, on a une bénédiction. On a une bénédiction. Première béné de la soirée. Si tu as dit. Ah, j'ai déjà dit. Mais je n'étais pas sûr. Vaut mieux deux fois qu'une. Au pire, ça les fait répéter. Et moi, ça me fait répéter. Et ça fait répéter tout le monde. Et je fais perdre leur temps. Et comme ça, ils ne ferment pas. Allez, première étincelle, let's go. Allez, Jean-Michel, tu nous régales. Emma. Emma, c'est Emma. Emma,
HOH, pas très vieux. Ça permet de skill up une Olivia, peut-être à ce niveau-là. Je pense qu'une Lisa, s'il l'a, il a déjà skill up. Une Emma, est-ce qu'il a envie de la skill up? Je ne sais pas. Allez, deuxième étincelle, let's go, let's go, let's go, let's go. On a fait un petit bonjour à YouTube, Ability, très simplement, mais on a fait un petit bonjour à YouTube, bien entendu. Succube. Succube, c'est pas forcément ce qu'on voulait, hein, ça a des ailes, mais il a déjà l'Edriel, il a déjà Tichard. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Un petit démon vent? Non, il veut pas, il veut un démon light ou dark. Mais il a pas de vélin dark and light. Allez, let's go, 60 vélins mystiques. Hey, salut Croy, comment vas-tu? Tout. Allez, on a déjà eu deux étincelles. En même pas 20 invocations, peut-être qu'on va rechoper une troisième assez rapidement. Amazon. Une fois. Comment régner le Vérat du coup? Ouais, violence, speed, HP. Avec des subs précision, bien entendu. Comme ça que ça se joue. Cassandre, monstre fusion. Après, Vio Will, c'est très bien. C'est comme ça, si t'arrives pas à prendre le début du tour. Peut-être que derrière tu vas pouvoir contrôler les ennemis si tu le joues un petit peu en GVG ou en PVP. Ce sera très sympathique. Très sympathique. Moi, si je jouais mon Vérad et que j'avais la possibilité de le ruiner comme je le voudrais, je ferais ça. Je n'ai pas de will. Bon, bah, fais comme tu peux. Vio, Broken Set pour aller chercher des stats. Revenge, non. Ça vaut pas le coup, le Revenge sur les dragons. Ça vaut clairement pas le coup. Ce qui est intéressant sur les Revenge, les réduct ATB, les contrôles, les stuns, ce genre de choses. Ça, c'est bien. Ou les Breakdev. Breakdev de tour sur sort 1, une Revenge, c'est très bien. En dehors de ça, c'est pas le set le plus OP. Ouais, Vio PV ou Vio Def, mais aussi ou Vio Broken Set, si ça te donne de meilleures stats. Hein. Toujours une review chez toi en attente. Oui, il y a toujours une review en attente, on en a parlé tout à l'heure. Tu fais partie des deux qui ont leur review, qui n'ont pas été encore pris au bain. Mais normalement, là, je suis censé raccrocher le live à 22h, que je finisse mon sandwich. On va pas manger encore. Allez, les étincelles! Non mais Jean-Michel, t'as peur des pectoraux de James ou quoi? Sois un homme là, affronte-le à coup d'étincelle. Let's go. 33 vélins mystiques, ça fait 3 packs premium. Allez. On veut des étincelles, on veut des back-to-back, on veut des choses grandioses. Pas de doublons. Allez, les étincelles qui sont pas là quoi. Le 9-8-7-7 pourtant qui a porté chance ce soir pour l'instant. Il se repose sur ses lauriers. Chiant. Ah là 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 là, mais où sont les étincelles? JM, t'as peur de la bénédiction ou quoi? T'as peur de la béné? Aïe, succube feu, c'est pas dingue du tout, c'est un monstre fusion ça. 22 vélins mystiques et pas un back-to-back là-dessus. Ah là 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 là, allez JM. Là, les gens sur YouTube, ils se disent, c'est qui JM? Mais JM, c'est l'organisateur du monde de Summoner's War. C'est lui qui est derrière. C'est celui qui joue toutes les petites ficelles. C'est lui qui appuie sur le bouton. Moi, je dis, s'il n'y a rien sur le VM, il y a un 5 nat en béné. Mais la béné, elle va pas proc. Ah, tu parles sur le SWC. On aimerait bien lui avoir CR1, hein. C'était son but. Mais let's go, là. Au moins des étincelles. On veut des 4 nat, quoi. Du food. Ou du 5 nat. Let's go, le 5 nat. Oh la béné! Oh la béné! Elle est là! Elle est là! Amélia! Où est mon feu? On a le 5 nat sur 9-8-7-7 ce soir! Et boum! Oh shit! Franchement, 76 VM, t'as ton 5 nat, t'es content! Panthéon, il dit Amélia! Amélia! T'es sûr, Panthéon? Petit démon qui fait plaisir. Ah non, Amélia, moi aussi. Hein. Le démon feu, pour moi, c'est moins bon des trois. Amélia, c'est insane. C'est la meilleure immunité du jeu en élémentaire. Ah, tu sais pas, James? Moi, je partirais. Si t'as quoi comme immunité? T'as quoi comme immunité, James? C'est simple, en fait. Putain, Wendy, tu rigoles, c'est grave. Mais profitez-en, hein. Demain, c'est fini. Dommage que j'aurais pas les 300 cristaux d'Itoa avant. Tu cut. Ah. Moi, je dirais sur Amélia. Après, t'as Vela Juel.
Ok, c'est tout? Si t'as qu'une... Peter? Ouais, Peter. Peter? Peter et la licorne, ça va bien aller, hein, ensemble. Je pense que ça peut bien fonctionner. Moi, j'irai. Bon, tu m'as dit Amelia. Sûr. Mais go Amelia, ok. En fait, je me souviens pas de ta box. Licorne 100%. Moi je suis sur licorne 100% aussi, nerveux. Je voulais revoir ta box. Ta Fengyan, voilà. Ta Fengyan, donc Fengyan Amelia, mec, tu es aux anges. Tu es aux anges parce que Amelia va mettre le buff death sur ton Fengyan. Ouais, c'est un monstre PVP par contre, Amelia. Mais là, t'as le combo. Lead death, Amelia à côté qui met l'immunité, qui cleanse, qui met le buff death. Ton Fengyan, il va lâcher des 15k sur son sort 1. Tu vas trop kiffer. Trop kiffer de ouf. Et bah voilà, on est content. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Mais dans tous les cas, même si ça se finit là, et bah on est quand même content. Hein. Oh là là, le back-to-back sur un 5 nat. Le deuxième. Pas du tout. Putain, on aurait fait un deuxième 5 nat en back-to-back. Ça nous arrivait une seule fois. Une seule fois. Même Vérat par une level 5, je suis déjà sous le charme. C'est parfait, merci. Non, là tu vas. Réellement, je t'invite si t'as la possibilité de la runer assez vite. Et de la tester en GVG. Fengyan, Amelia. Et après, tu mets au pire des cas ta petite Yona à côté qui peut rester et mettre le buff def pendant 3 tours. Tu vas rigoler quoi. Genre le truc intombable. Ou t'as Amarna, non, t'as pas Amarna aussi? Non, t'as peut-être pas Amarna, c'était tout à l'heure. Allez, est-ce qu'on va avoir une étincelle en plus? Une étincelle en plus? Elles sont vraiment sympas les summons ce soir. Moi, je suis très content. Je suis très content, ça fait plaisir. Et voilà, bon, pas de nouvelle étincelle. Bulwark, Amelia, c'est une régalade. Ouais. C'est moi qui ai merde. Ah ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais pour toi. Bon, 3 vélins SWC. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse dans les 4 nats? James. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse, mon petit James, dans les vélins? Hein, mon petit James, alors. Un petit Lucien? Une petite Sabrina? Un Antares? Non, normalement, je pense que j'ai tout vu dans ta box. J'ai tout vu dans ta box. Je pense que c'est juste les 5 nats qui t'intéressent. En termes de 5 nats, tu m'as dit Sarah, t'es la bae. Bae. On veut Sarah. Bastet, c'est cool. Je me souviens pas avoir vu de Bastet. Ça, c'est cool. En vrai, mais ils sont tous bien. Ils sont tous bien. Skill up gargouille. Ok, la ligne skill up gargouille. Mais c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Nous, on te souhaite 3 5 nats. 3 Sarah. 3 5 nats. Allez, let's go. Est-ce que je vais rager si je fais pop une Sarah? Ok. Premier, pas de Sarah. On commence tranquillou bilou. Mais, on veut du 5 nats sur ce vélin SWC. Sinon, ça ne donne pas envie d'aller en acheter, hein, je vous le dis. Je viens de l'auto, 1 VM, je l'ouvre direct, débutant level 18, 5 nat Valkyrie, GG. Allez, du 5 nat, on veut du 5 nat. Elle est bien pour PVE, Joséphine, ça va. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Un peu de stun, le cleanse, de temps en temps le shield et tout. La Cannon Girl, ok, c'est choisi, James. C'est choisi. Allez, on va faire mieux. Le 5 nat, let's go. Ok, pas de 5 nat. Ça peut encore arriver. On veut le 5 nat sur le dernier. Bien entendu, là on a 3,5% de chance. 3,5 ou 4,5% de chance d'avoir un 5 nat. On le veut. Liche. Pas de problème. J'ai vu que t'en avais une qui était 30 ou 35. JM, sors-toi les doigts. Allez, JM. Allez. Oh. Merde. Bon, et bah pas de 5 nats sur ces vélins SWC, hein. Pas de vélins, pas de 5 nats dessus. Ah bah... Non, elle voulait toujours être la Cannon Girl.
Genre, façon de parler, je pue la merde, mais personne veut de moi, je peux jamais être sur les lèvres, regarde, je suis là, je vais être là à chaque fois. Jouez-moi, jouez-moi. Lol, pas grave, la canon, ok, pas de problème, pas de problème. Bon, un 5 nat. Je suis en mode, c'est quel 5 nat qu'on lui a drop? Ah, on lui a eu Amelia, j'étais en mode... Mais quel monstre on lui a eu là? Qu'est-ce qu'il y a eu quoi déjà? Mais le mec, mais je suis un poisson rouge. Mais je suis un poisson rouge YouTube, je vous le dis. YouTube, Twitch, tout ça, je vous le dis, moi je suis un poisson rouge. Et bien en tout cas, James, amuse-toi bien avec ta Amelia. Très 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 sympathique combo à faire justement avec ton Fengyan. Fengyan qui est pas extraordinaire. Ok, il a pas mal de def. Mais il n'a pas tant de HP que ça, il manque un peu de speed, un peu de précis aussi. Mais au moins là il bénéficiera, peut-être que là tu pourras te permettre de le jouer en double HP, voire en triple HP. Parce que normalement avec 87 de vitesse tu pourrais être en triple HP. D'avoir un gros pool HP, comme ça il ne se fera pas Lushen, il ne se fera pas défoncer sur les défenses arènes. Et jouer avec Yona ça peut être cool parce que quand elle raise, elle met un buff death pendant 3 tours. Sachant que t'as un cooldown quand même qui est, on va pas dire dérisoire, mais qui est très très sympathique. Et derrière Amelia qui freeze sur le sort 1. Sur le sort 2 ici t'as une provoque, sur l'autre sort 2 tu as un shield et un cleanse. Ici, quand elle est en forme de petit poney, elle augmente la défense quand elle se fait attaquer. Quand elle est en forme humaine, elle met l'immunité. C'est très, très sympathique. C'est la Joendy. Ah, ça doit être ça, ça doit être ça. En tout cas, voilà, James, amuse-toi bien sur ton compte. Tiens-moi au courant un petit peu du combo Fengyan-Amelia. C'est du pur plaisir. Et ben moi, je vais m'arrêter là-dessus. YouTube, Twitch, tout ça, moi, je vous le dis.